Ils sont encore des milliers devant la Diet, l'Assemblée nationale polonaise. Après avoir campé devant toute la nuit, ils occupent la rue pour s'opposer à la politique du PiS, le parti conservateur en place. Ils estiment que les valeurs démocratiques sont attaquées, liberté de la presse ou de manifester. Je suis ici parce que je veux une Pologne libre et démocratique. Libre de toute usurpation ou dictature. Je n'abandonnerai pas la démocratie. Nous ne laisserons pas tomber la démocratie. Vendredi dans la soirée, des députés libéraux ont bloqué le vote du budget 2017, manifestant leur inquiétude face au changement du règlement sur l'accès des médias aux députés. Réponse de la majorité, ils ont voté dans une autre salle, seuls. Opposition est partie de M. Kaczynski, se renvoie désormais la responsabilité. L'attitude des membres de l'opposition est répréhensible. C'est une tentative d'anarchie, de prendre le pouvoir et de bloquer l'adoption de la loi sur le budget. Mais aussi de bloquer l'adoption d'une loi sur les pensions des retraités des services de sécurité communistes. Vendredi dans la nuit, devant l'Assemblée polonaise, les manifestants ont empêché les députés de sortir. De hauts responsables du gouvernement ainsi que M. Kaczynski avaient alors dû se frayer un chemin, escortés par la police.